Bonjour à tous et bienvenue dans NewsGamer numéro 172. Et cette semaine, même si on a eu du mal à trouver des news intéressantes, on a quand même mis des gros jeux. Et oui, on vous parlera de GTA V, Mortal Kombat X, Final Fantasy XV, Batman ou encore Fable Legends. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Au sommaire cette semaine, des grosses licences comme Mortal Kombat, Batman Arkham ou Final Fantasy. Nous vous parlerons aussi de jeux de braquage, de jeux multijoueurs et de jeux à monde ouvert. On vous passera au crible une exclusivité Microsoft, à savoir Scream Ride. Et nous vous passerons aussi au crible Chappie, un nouveau film de science-fiction avec Hugh Jackman. On se quittera avec un film un peu particulier. La semaine dernière, on vous parlait des nominés importants des Oscars, et cette semaine, on a les résultats. Deux films ont marqué la cérémonie, Grand Budapest Hotel avec 4 prix, et Birdman avec le même nombre. D'ailleurs, Birdman a reçu le prix du meilleur film. Et dans le sujet, des chiffres pour Steam. Alors qu'il arrive sans faire trop de bruit, Mortal Kombat X pourrait être une révolution là où on ne l'attendait pas. Nous avons appris cette semaine qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir un abonnement payant sur console pour jouer en ligne au jeu. Comprenez que vous pourrez profiter pleinement du titre sans PlayStation Plus ou Xbox Live Gold supplémentaire. Une idée audacieuse qui pourrait ouvrir la porte à d'autres éditeurs, le prochain Mortal Kombat débarquera le 14 avril prochain sur toutes les machines du marché. Steam est grand, Steam est fort et Steam est beau. Valve nous a récemment parlé du nombre de comptes actuellement actifs sur la plateforme de téléchargement légal. Plus de 125 millions de joueurs sur PC sont inscrits et actifs. En clair, durant les 30 derniers jours, 125 millions de personnes se sont connectées au moins une fois avec leur compte. C'est un chiffre incroyable qui montre que Steam a encore de beaux jours devant lui. No more. Now, you can bring Steam with you. Welcome to Big Picture. Après une petite pause médiatique, revoici des infos pour le prochain jeu Batman. Alors qu'une vidéo cinématique nous a permis de voir les ennemis que l'on rencontrera, on a aussi appris que ce Batman Arkham Knight sera le plus violent de la série, avec une classification américaine de mature. Entendez par là que le jeu est conseillé à un public majeur. De quoi nous faire patienter jusqu'à la sortie, le 2 juin prochain. En ce moment, Final Fantasy XV, c'est le jeu qui revient le plus dans l'actualité. D'un côté, le jeu est attendu depuis presque 10 ans. En tout cas, Square Enix a dévoilé deux nouvelles vidéos. Les donjons et la faune sont à l'honneur. L'éditeur en a profité pour nous parler de la maturité dans le jeu. Comme d'habitude, avec la série, le jeu ne sera pas présent, en tout cas pour une bonne partie du jeu. Les équipes travaillent au maximum pour avoir un jeu mature mais pas choquant. Une bonne nouvelle pour tous les fans de la licence. La série de JRPG Dragon Quest reviendra en Europe. Square Enix a annoncé que le dernier opus de la série, Dragon Quest Heroes, devrait arriver sur PS4 dans le courant de l'année chez nous, alors qu'il est déjà sorti au Japon. Autre information, le jeu est un peu plus tourné action que les précédents, mais reste un immanquable pour les fans de la série. On espère une date de sortie plus précise prochainement. On a appris cette semaine l'arrivée d'un jeu d'horreur sur PS4 et Xbox One, et ça nous fait peur. Malheureusement, nous avons appris que Slender The Arrival arrivera ce mois-ci sur PS4 et Xbox One. En effet, ça fait vraiment peur, surtout pour un mauvais jeu comme ça. Et tout de suite, on parle de GTA V. Une fois n'est pas coutume, on parle de GTA V dans À ne pas retenir. La raison, le jeu est une nouvelle fois reporté sur PC. La nouvelle date de sortie est donc pour le 14 avril. Pour se faire pardonner, Rockstar annonce que la mise à jour braquage devrait être faite le 10 mars prochain, ce qui pourrait bien relancer l'intérêt du jeu. À moins que tout ceci ne soit encore repoussé une énième fois. Depuis sa sortie, H1Z1 a des problèmes de serveur, mais surtout de tricheurs. Beaucoup de techniques existent pour passer outre les blocages des développeurs pour avoir de l'aide interdite comme de la vie infinie.
C'est avec une courte vidéo que les développeurs eux-mêmes, Daybreak Games, anciennement Sony Online Entertainment, répondent. Et oui, certains tricheurs osent se plaindre du jeu. Une vidéo très drôle et très vraie. All of my decisions for even trying the hacks. I definitely should have known that even launching the hacks could get me in trouble. I apologize to all the... Vous êtes possesseur d'une Xbox One ou d'une PS4 et vous vous plaignez de n'avoir que des anciens jeux avec de plus beaux graphismes, eh bien sachez que les éditeurs n'en ont pas fini avec la mode des refontes nouvelle génération, puisque l'on vient d'apprendre l'arrivée prochaine de Payday 2 sur les nouvelles consoles. En clair, on fait du neuf avec du vieux encore. Et dans tout ça, les vrais jeux nouvelle génération, ils arrivent quand ? Avec Fable Legends, Lionhead Studio n'arrête pas de nous surprendre. Cette semaine, nous avons appris que le jeu serait un simple free-to-play, c'est-à-dire gratuit, à l'achat, mais payant pour son contenu. D'après les développeurs, vous n'aurez pas besoin de débourser le moindre centime pour finir le jeu. On a du mal à y croire, surtout quand on sait que pour avoir un équipement correct pour son personnage, il faudra débourser un peu de monnaie. Lionhead nous a appris aussi que pour les joueurs qui ne payent pas, un système de tournante pour les personnages sera proposé. Toutes les deux semaines, notre personnage en jeu changera. C'est un choix commercial très contestable, surtout pour Fable. Let me tell you the story of the villain. Of how four heroes came. La bande-annonce qui nous passe au-dessus cette semaine, c'est Divergent 2. Il est encore question qu'une bande d'ados en combinaison sauve l'humanité, et franchement, on s'en fout un peu. Malgré tout, l'héroïne coupe ses cheveux, c'est que ça doit devenir sérieux alors. So now we're all officially fugitives. Divergence will destroy our society. Kill them both. We have to stop her together. On ne peut pas dire que les sorties jeux vidéo soient extraordinaires cette semaine avec Zombie Army Trilogy ou encore Shiftlings, et nous on vous parle de Scream Ride. Au cinéma c'est un petit peu différent avec Show in Paradise, Inherent Vice, et nous on parle de Chappie. Scream Ride, c'est un jeu qui nous emmène dans des montagnes russes, et Chappie, c'est un nouveau film de science-fiction de Neil Blomkamp. Envie de prendre part à des parcs d'attractions futuristes? Allez donc jouer à Scream Ride. Au premier abord, Scream Ride paraît très facile et sans grand intérêt, mais détrompez-vous, le gameplay est exigeant et complet. Tout dépendra des modes, mais certains vous donneront du fil à retordre. Finir vivant dans une montagne russe est parfois compliqué. Avec la manette, vous contrôlez l'orientation de votre nacelle, il faudra donc être habile face au danger. De plus, construire son propre manège est très compliqué. Il faut gérer la vitesse et la puissance dans les virages. Bon courage. Assez étonnamment, Scream Ride a pas mal de contenu. S'il n'y a pas beaucoup de modes de jeu différents, il y a au moins beaucoup de cartes différentes et d'environnements sympas pour vous amuser un paquet de temps. Ajoutez à cela un mode libre et vous obtenez un jeu à la durée de vie plutôt intéressante. Même si Scream Ride est très sympathique, il n'est pas du tout original. Il n'invente rien et ce genre de jeu est vu et revu. Alors certes, construire et détruire des montagnes russes, c'est amusant, mais n'est-ce pas déjà traité sous une autre forme par Payne, entre autres sur PS3. Alors même si ce n'est pas nouveau, ça reste bien fait. Scream Ride est au final un petit jeu sympathique mais sans plus, ce qui lui vaut la note de 3 sur 5. Et si les robots avaient une conscience ? Pour répondre à cette question, allez donc voir Chappie. Pour commencer, parlons du casting de Chappie. Pour la réalisation, on retrouve le très bon Neil Blomkamp. Cet homme a travaillé derrière la caméra pour District 9 et Elysium. Concernant les comédiens maintenant, 4 personnes tiennent l'affiche: Hugh Jackman, Sigourney Weaver, Dave Patel et Charlton Copley. Chappie est un vrai film de science-fiction avec de bonnes intentions. On nous présente un futur robotique crédible avec des ingénieurs qui ne sont pas des savants fous et ça fait plaisir. Malgré tout, le film n'évite pas quelques facilités déjà vues ailleurs et c'est dommage, mais le tout reste cohérent et c'est le principal. Et cette chose, cette aide pourrait juger l'œuvre en question. Il déciderait d'aimer ça ou de le détester.
Pour le synopsis, le film nous emmène dans un futur proche au moment où les forces de police ne sont plus qu'une armée de robots. Dans ce monde, un homme a la conviction qu'il est possible de créer un robot avec une intelligence proche d'un homme. Un nouveau robot est né, Chappie. Celui-ci a des émotions et est capable de réfléchir. Sauf que ça ne plaît pas vraiment. Ce robot est donc en danger. Chappie est un film bien fait, parfois convenu, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Merci madame. Réduisez-le en cendres. Nous voici à la fin de cette 172e News Gamer, et si vous voulez nous retrouver, il faut aller sur internet. Il faut aller sur total-gamer.com et vous pourrez retrouver plus d'informations, plus de vidéos, plus de contenus, un forum, plein de choses. Et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et vous pouvez venir nous poser vos questions en direct sur l'actualité du jeu vidéo, du cinéma ou de la musique sur jeuxvideostream.com le lundi soir. N'oubliez pas, l'horaire a changé à partir de 20h30. Et on se quitte avec ce qu'il fallait voir, et cette semaine, il n'y avait qu'une seule bande-annonce cinéma. La bande-annonce d'À tout jamais, un film qui parle d'un homme atteint par la sclérose en plaques qui se bat en Belgique pour faire passer une loi. C'est assez bizarre, c'est entre humour et drame, voilà, ça un peu bizarre, mais c'est tout ce qu'on avait cette semaine, on y est pour rien. On espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut, salut. Fuck this. Hey. Fuck this. Is het een proper ziekte? Ik doe alleen die proper ziekte. MS is toch geen dodelijke ziekte? Waarom spreekt hij hier dan over doodgaan? Gaat jij me helpen, mocht het ooit nodig zijn? Je gaat ons helpen. Je moet het ons beloven. Ah! Oh. Dat is fucking kwaad! Good life. Ah. Heb ik gelezen, de Senaat? Amai, oh, je bent een ster, hè? Ik ga door tot ik niet meer kan. Voor de zoveelste keren, Mario, kunt met die ziekte even oud worden als ik ouder zelfs. Allee, lang zal leven, of is er dat over? Als er nu één is, hè, dat we zeker niet achterlaten, wat dat zeg jij het?